Alors j'ai accepté d'intervenir à la 11e édition de World Forum, d'abord parce que c'était une conférence que je ne connaissais pas et qui me semblait très intéressante et qui a un peu attiré ma curiosité. Et en regardant les présentations et les différents sujets, déjà, pour être honnête, c'était quand même un honneur d'être invité, donc d'être parmi tant de speakers et d'intervenants importants, mais aussi les questions et les problématiques qu'elles soulèvent, ça me semblait encore une fois une chance et une opportunité d'être là, d'écouter et de participer ou de faire entendre sa petite voix. Alors selon moi, les défis, il y en a beaucoup et on a beaucoup entendu parler ce matin. Étant donné que donc, je travaille avec Natakalam, qui est une plateforme en ligne d'apprentissage de l'arabe où les professeurs sont des réfugiés syriens, la problématique migratoire et en particulier celle des réfugiés me semble la plus importante, mais à condition de la voir dans sa globalité, de comprendre que oui, il y a des réfugiés, des migrants, mais au fond, ce n'est pas si différent, de comprendre pourquoi ils viennent et pourquoi ils vont en France ou partout en Europe, de se rendre compte que par exemple la crise migratoire en Europe, c'est qu'une infime portion de la population des migrants et des réfugiés dans le monde. Et donc, ce qu'on peut faire à notre propre échelle, déjà, c'est ce que les gens font, les gens du bénévolat, vont dans les associations, ouvrent leurs portes, en parlent autour d'eux pour changer les mentalités, pour essayer de changer les politiques. Ça, c'est principalement ce qu'on peut faire soi-même, mais après, si assez de gens en parlent, assez de gens en discutent, il y a aussi des politiques à un niveau un peu plus international, au niveau européen, qu'on peut essayer de faire bouger pour plus d'accueil et aussi traiter plus sérieusement les problèmes à la source qui sont des conflits comme le conflit syrien qui dure depuis 5 ans et que malheureusement nos politiques ont décidé de laisser couler, donc essayer de réveiller nos politiques.